il est loin le temps où notre invité brûlait les planches à Saint-Laurent du Maroni. Alors quand je dis brûler les planches, je parle sur un plan scénique, hein, musical, bien évidemment. Ne commencez pas à jouer avec votre briquet. Depuis le groupe d'Amagnac et Wom, que de chemin parcouru et que de succès avec des chansons classées dans les meilleurs programmes radio du monde afro-caribéen. Il est l'un des dignes ambassadeurs guyanais, mesdames et messieurs, Warren. Il est ému. Il est ému, je sens qu'il va pleurer. Votre quatrième album, Warren, s'appelle Musicothérapie. C'est le seul moyen que vous avez trouvé pour soigner une quelconque maladie? Ouais, une quelconque maladie, je pense plutôt à la maladie du cœur, non? Ouais. Ça te parle? Quoi, les femmes vous font mal au cœur comme ça? Ça t'est jamais arrivé? Non, jamais. C'est j'ai un cœur en acier. Je n'aime personne. Okay. Je n'aime personne. Que toi. Je n'aime que moi, je voilà. M'aime, je m'admire. Alors donc, musicothérapie, ça parle de quoi? Écoute, traitement du cœur par la musique. Oui. Et je sais pas, c'est quoi ta question? Il y a toujours l'esthétique. Hein. Oui, voilà. Bon, en fait, voilà, il y a 15 titres. Il y a 15 titres avec 15 différents titres. Auteurs. Mm-hmm. Il y a différents auteurs. Qui... Je suis auteur de tous les titres. Aussi. Voilà, donc il y a différentes coparticipations, on va dire. Oui, exactement. Et il y a trois duos. Il y a Fanny G, il y a Karine et il y a Jacob Devarieux. C'est comment ça. Est-ce qu'on réunit tout ce petit monde-là pour travailler et pouvoir donner une cohérence aussi à l'album et une même couleur? Bah, ça l'aide soit pour moi, parce que je cultive une musique quand même qui est... qu'on intitule le Zouk R&B aujourd'hui. D'un côté, Jacob Devarieux, qui est selon moi, entre parenthèses, le créateur du zouk, et de l'autre côté, Karine, qui est premièrement guyanaise, et d'autre part, l'une des pionnières du R&B français. Voilà, d'un côté Karine, d'un côté Jacob, au milieu Fanny G, enfin voilà. Et c'est comme ça que tout se crée. Vous allez nous interpréter la chanson Chacun son tour. C'est plutôt tendancieux ça comme titre, Chacun son tour. Ah non, absolument pas. C'est une chanson à connotation plutôt spirituelle, donc je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Et ça parle de quoi justement? Ben écoute, Chacun son tour, c'est en gros le résumé d'une période de ma vie où on a souvent tendance à oublier que voilà, y a, tout le monde a des galères, même les artistes, et que parfois, ben. Faut pas voir ça d'un point de vue, comment je veux dire ça, sans brusquer, sans frustrer. Faut pas se réjouir du malheur des autres, parce que voilà, on sait jamais à quel moment notre tour arrive. La roue tourne, tout simplement. Exactement. Je vais faire mon Mireille Dumas. Vous avez des problèmes, Warren? Non, pas du tout, absolument pas. Tout va bien. Tout va bien maintenant. Tout va bien. Bon, vous allez monter sur scène? Pourquoi pas? Oui, allez, montez sur scène pour nous interpréter ce titre Chacun son tour. Warren, mesdames et messieurs, et pendant ce temps, je vais rappeler quelques dates. Sachez, notez sur vos agendas que vendredi 31 mai à 20h, Warren donnera un showcase dans un bar lounge en face du commissariat de Cayenne. Ce sera donc vendredi à 20h. Le samedi 1er juin à 10h, il donnera une séance de dédicace à Matoury au carrefour d'un sens giratoire dans un centre commercial dont je ne peux pas dire le nom. Et puis le soir, il sera dans une discothèque bien connue de Saint-Laurent du Maroni. Ça, ce sera pour samedi. Et le 21 juin, alors là, pour la fête de la musique, Warren sera dans une émission radio de Guyane Première. Vous la connaissez, elle s'appelle Acoustique. Elle sera retransmise en parallèle sur les ondes de Guyane Première. On écoute tout de suite Warren avec le titre Chacun son tour.